Ça avait duré longtemps d'ailleurs pour savoir comment on allait s'appeler. Et on a dit, ben, l'équipe, on s'appelle le groupe Intelligence Artificielle. Je suis l'inventeur de Prologue, mais il y a d'autres gens qui ont travaillé avec moi. Je ne suis pas tout à fait tout seul, on était toute une équipe. Et justement, Prologue a été un petit peu inventé comme langage de programmation pour faire du traitement sur les langues naturelles. Donc vous voyez qu'il y avait à la fois de l'informatique et de la linguistique qui étaient impliqués dans Prologue. Il s'agissait, bon, l'histoire c'était, il s'agissait de parler avec une machine. Bon, maintenant ça se fait tout le temps, on parle à son Siri, il répond. Avant non, on lui tapait laborieusement des questions, on lui décrivait un univers et on lui tapait des questions et il répondait. Donc c'était fabuleux de pouvoir parler avec une machine. Et pour que la machine réponde, il fallait qu'elle raisonne. Et donc on faisait raisonner des machines. C'était extrêmement... C'était stimulant, motivant tout ça. So Alan's perspective was much more practical, much more grounded in computer science, whereas my perspective was to some extent grounded in mathematical logic. And maybe with a philosophical interest in logic, which Alan sometimes referred to as a poetic point of view, compared with his much more engineering scientific orientation. And I think it's maybe one of the reasons why Prologue came into existence, because of this quite strong contrast between different perspectives. Prologue, évidemment, a eu une influence massive. Ça a créé un domaine, plusieurs domaines, et ça a été un des langages, vraiment une des fondations des langages déclaratifs. Et c'est vraiment un langage, à l'époque, qui était révolutionnaire. Les gens tombaient amoureux du langage. Et c'était... Ça structurait la pensée des gens et cette notion qu'il fallait faire des choses déclaratives, qu'il fallait se focaliser sur ce qu'on veut faire, pas comment le faire. Et ça a eu un impact énorme. In this tutorial, that is introduction to Prologue, we shall discuss different aspects of Prologue. Prologue هي لغة برمجة وبتتكون من ثلاث أشياء: facts, rules, queries. La programación lógica es un paradigma de programación que se basa en gran medida en la lógica formal. Aujourd'hui, tous les grands programmes, tous les grands équipements dans l'industrie, dans le transport, tout ce qui est ordonnancement, emploi du temps, gestion des usines, c'est fait à base de programmation par contrainte. Et là, c'est quelque chose dont on parle peu parce que ça marche, mais c'est quotidien, dire tout marche au niveau mondial. Tout est optimisé avec de la programmation par contrainte. Les plus grosses usines du monde, les grands réseaux de transport, de trains, et ainsi de suite. Donc là, il y a une filiation très forte. Alors d'un côté, on dit parfois, ben, Prologue, on ne l'enseigne plus. Oui, peut-être, mais les contraintes sont partout, innervent partout et aident à optimiser partout tout notre monde moderne. Il faut voir, la programmation par contrainte, c'était vraiment cool quand même. C'était vraiment, on énonçait le problème et puis on résolvait des applications réelles. On avait des problèmes qui étaient... On a cassé plein de problèmes qui étaient ouverts. C'était vraiment un moment où il y avait énormément d'excitation sur le domaine. Et on importait des techniques de plein de domaines différents. Et donc, il y avait vraiment un enjouement autour de la programmation par contrainte qui était vraiment exceptionnel.